La musique classique est beaucoup plus colorée que la pop. Dans la pop, on retrouve toujours les mêmes 6 couleurs, répétées encore et encore dans chaque chanson. C'est très monotone. Alors que la musique classique est plus inattendue. Il y a beaucoup plus de couleurs dans chaque morceau. Red Hook, le nom du quartier historique des pêcheurs de Brooklyn, signifie « crochet rouge » en français, mais fa dièse pour Neil Harbisson. Ce Catalan de 32 ans est le premier artiste au monde à s'être greffé sur la tête une antenne qui semble sortie d'un film de Cronenberg. Doté d'une caméra miniature, son iBorg transforme les ondes lumineuses en notes de musique, ce qui permet à Neil, le cyborg, d'entendre les couleurs. On pense que devenir cyborg crée une nouvelle espèce de super-humain. Mais c'est complètement faux. Dans mon cas, je me sens plus animal. J'ai l'impression d'être retourné à l'état sauvage. Je me sens plus proche des insectes qui ont des antennes. Le fait d'entendre par transmission osseuse me rapproche des dauphins et autres mammifères marins. Et je vois les ultraviolets et les infrarouges, qui ne sont pas perceptibles par les humains, mais qui le sont pour un grand nombre d'espèces animales. Du coup, en devenant cyborg, je me sens plus proche que jamais de la nature et des animaux. À 11 ans, les médecins diagnostiquent au jeune Neil une achromatopsie, l'incapacité totale à percevoir les couleurs. Après une phase de rejet durant laquelle il ne s'habille qu'en noir et blanc, ce fils de prof de langue, né en 82 à Belfast, décide de retenir les couleurs en leur attribuant une note de musique. Pendant ses études d'art en Irlande, lui qui ne s'est jamais intéressé à la science-fiction, rencontre un pionnier de la cybernétique qui l'aide à créer son premier prototype d'iBorg. Pour faire corps avec sa technologie, Neil décide de se l'implanter à l'intérieur du crâne en 2014. C'est pas remboursé par la Sécu, ni par aucune mutuelle. C'est moi qui me le suis payé. Ça a été fait par un chirurgien qui doit rester anonyme, parce que ce type d'opération est encore un peu bizarre. Et les comités de bioéthique des hôpitaux n'acceptent pas encore la chirurgie cybernétique. Tout est fait sous le manteau. La fierté de Neil, c'est d'avoir obtenu l'autorisation des autorités britanniques de poser avec son troisième œil sur sa photo de passeport. En 2010, il crée une fondation pour défendre les droits des cyborgs. Des centaines d'humains qui souhaitent eux aussi augmenter leur sens, comme percevoir les mouvements dans leur dos ou obtenir une vision de nuit, le contactent. Le cyborg compare son combat à celui des pionniers transgenres. La première fois qu'on m'a attaqué, c'était au Honduras, en 2006. Et ils pensaient que c'était un téléphone portable et ils ont essayé de le voler. En 2009, j'étais à Londres et quelqu'un a cru que je le filmais. Il s'est mis très en colère et a tiré dessus pour me l'enlever. Et enfin, en 2011, j'étais dans une manifestation à Barcelone et les gendarmes ont cru que je l'ai filmé aussi. Un policier a essayé de l'enlever, mais il n'a pas réussi et l'antenne s'est cassée. Pour la troisième fois en 10 ans. Depuis 10 ans, Neil, qui voit en noir et blanc, s'est fait connaître pour ses portraits sonores de célébrités comme Moby, Al Gore ou encore des membres de la famille royale anglaise. Le visage du prince Charles est plutôt harmonieux. Il a des yeux en do, des lèvres en mi, et globalement, il sonne comme un accord en do majeur. Durant son séjour new-yorkais, l'artiste cyborg donne une série de concerts faciaux. N'importe qui peut y apprendre s'il sonne plutôt mineur ou majeur et faire profiter le public de l'harmonie de son visage. Après les infrarouges et les ultraviolets, Neil souhaite étendre sa perception encore plus loin. Son iBorg est désormais branché en Wi-Fi, ce qui devrait lui permettre de se connecter aux satellites et entendre des couleurs imperceptibles à l'œil nu. Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je crois en Dieu? Quelle question! Est-ce que je crois en Dieu? Non, je crois pas.
Mais si Dieu existait, il serait super heureux de voir les humains créer leur propre sens. C'est ce qu'il a fait. Il nous a créés, maintenant, nous nous créons nous-mêmes. Je suis sûr que c'est ce qu'il voudrait qu'on fasse, qu'on étende nos sens et qu'on les modifie de façon à ressentir la nature et la réalité encore mieux qu'avant.